En France, reprise des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale aujourd'hui, toujours dans un climat tendu, très tendu. Hier, une image postée par le député insoumis Thomas Porte posant le pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt a fait le tour des réseaux sociaux. Écoutez le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui s'est emporté ce matin face aux députés France Insoumise. Mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, je vous dis que vos amendements ne servent à rien. Parce que, monsieur Tavel, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez recommencer? Vous voulez ma tête comme mon collègue? C'est ça que vous voulez? Vous voulez continuer dans la violence? Vous voulez continuer dans la stigmatisation? Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée? Vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction, et votre comportement ne sert à rien. Voilà la réponse donc du ministre Olivier Dussopt, ministre du Travail, à ce député La France Insoumise qui posait avec un pied sur un ballon avec le visage d'Olivier Dussopt. Il faut dire que c'est violent. Qu'est-ce qu'on fait avec un ballon? On donne des coups de pied dans un ballon. Est-ce digne d'un élu de la République? Est-ce digne d'un député de poser ainsi en doudoune rouge accessoirement avec sa banderole hein, bleu-blanc-rouge, avec son écharpe bleu-blanc-rouge plus précisément? Est-ce digne d'un élu de la République? Vous appelez le 3921, on va en parler, c'est important.